Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons rejoindre nous en émission pour là. Haïti 360, après un long week-end, côté nous avons célébré 215 ans, bicolore national là, symbole fierté, symbole unité et symbole dignité, tout. Eh bien, émission Asoya qui a reprendre sur Télévision nationale d'Haïti, c'est une occasion pour nous parler de un phénomène, j'en ai toujours fait lire, mais qui gagne ça dans les conséquences, qui empiété sur le quotidien. Nous allons parler de transport. Transport, nous connaissons en Haïti qui gens sont gros casse-tête liés pour la population hein, et d'une manière générale par rapport avec difficulté que vous gagnez dans le déplacement, dans l'interrelation qui gagne entre différents départements, communes et même des quartiers en dans la capitale. Transport, qui c'est ça, un secteur qui est très risqué dans le pays hein, par rapport avec le développement anarchique qui gagne dans le secteur ça et surtout accident qui par exemple suspect. On répéter et endeuiller famille. Récemment, nous avons parlé avec Adam Antonin sur le plateau. Ça, il a fait remarquer que transport en Haïti, ça n'a rien de moule qui a produit moun qui handicapé, tellement de moun qui victime en d'un pays ça, mais qui gagne, ça n'a rien de mambio qui est obligé et bien retiré suite à des accidents de la circulation. Nous avons gagné en d'un émission ça pour nous faire le point autour de questions et transport là qui j'aime qu'à moderniser secteur qui alternative qui gagne à transporter cela pour permettre justement une meilleure circulation des personnes et des marchandises sur le territoire national là. N'abgé pour nous voir tout ça avec invité nous qui sur plateau ensemble avec nous que m'a invité à découvrir tout de suite après pause. Jean Tabdouli, avant pause là, nous allons parler de transport avec un focus sur le transport maritime que nous-mêmes nous croyons en un espace là qui a une alternative viable et bien à problème qui gagne dans le transport terrestre là, notamment par rapport avec coût, par rapport avec possibilité tout qui gagne en un secteur là. Pour nous garder, pour nous explorer ensemble le secteur transport là, que ce soit terrestre mais également maritime, qui avantage, qui inconvénient gagne dans chaque secteur ça et même ça n'a rien de transport aérien. Hein. Nous avons avec nous sur le plateau Julio Julien. Julio, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Julio, qui est un spécialiste, monsieur, d'abord c'est ingénieur civil, mais monsieur tout a une maîtrise en transport et avec une spécialisation en gestion de port. Julio, nous pensons que c'est une bonne personne pour nous parler de transport à soir. Merci, merci Lionel Edouard. C'est un grand plaisir pour moi d'être ton invité dans Haïti 360 degrés pour nous capables de partager le peu d'expérience et le peu de compétences que nous gagnons avec nous-mêmes et avec l'ensemble public là, pour être capable de porter ici et là les points qui manquaient sur les îles qui allaient dans le secteur transport, là, particulièrement le transport maritime, là, qui est le domaine que nous spécialisons là-dedans. Avec Haïti 360, Jean-Julio Tabdouli, 360 degrés, nous allons faire le tour de secteur transport là. Julio, tout d'abord, transport terrestre, transport maritime, haïtien plus ou moins habitué à question transport terrestre là, transport maritime, c'est vrai, dans certaines périodes il existait en pays, je vous dis pratiquement mis à part quelques éléments dans cabotage, pratiquement pas de transport maritime encore, dit clairement non langage, nous capable dire assez et compréhensible pour population qui garder nous là à Soya, qui ça transport maritime dans lié et de manière générale. Bon, transport maritime, ça veut dire transport maritime, c'est un transport, c'est un moyen de transport, c'est plutôt un mode de transport qui utilise la mer, disons les eaux, parce qu'on parle aussi de transport fluvial, parce que côté d'un gros fleuve. Donc, c'est ça veut dire transport maritime. Aller de un port, de une ville, de un côté qui bat la mer à un autre qui bat la mer. Jusqu'à tout récemment, principal transport maritime, principal transport entre Jérémy, la grande en général et les autres points, c'était fait par la route et par la mer. Il y a d'autres zones que nous n'avons pas parlé tellement de eux, mais jusqu'à présent, par exemple, mon marigo qui besoin aller belle dans grand gosier c'est par la mer y aller. Imaginez pour la Gonave, c'est même bagarre là par exemple. Bon, la Gonave, n'en parlons pas parce que la Gonave, de par définition la Gonave c'est un île lié par ou pas qu'à la bon par la route, il y a des grands pays qui font des ponts
Récemment, la Chine, la Russie fait inaugurer un grand pont de 19 km qui est la Russie à la Crimée. Donc, c'est pour te dire que, grosso modo, c'est ça le transport maritime. Donc, c'est un mode de transport qui est basé sur la mer. Pratiquement en Haïti, nous pas gagné vraiment des gares routières qui répondent à normes internationales. Et transport là, et surtout transport routier, c'est un bagage qui fait de manière anarchique. J'aime d'abord dire en pile d'accident. En qui ça, transport maritime n'est capable d'une alternative à transport routier, gens que nous connaissons dans le pays. Transport maritime n'est capable d'une grande alternative pour transport routier en Haïti. Pour la bonne et simple raison que la plupart des grands centres urbains qui gagnent dans le pays, hein, ce sont des villes portuaires, des villes qui sont situées sur la côte. Sur la côte. À part, si tu veux, Inch, Nirbalé, deux grands centres urbains qui sont situés à l'intérieur, tout reste sur la côte. Donc, autrement dit, moyen qui pille. Facile pour sortir de Fort Liberté pour Jérémie, probablement c'est pas la mer. C'est pas la mer. Mais malheureusement, Haïti, on va parler de gouvernement, je parle Haïti en tant qu'entité, pour que depuis plus de siècle, pas bâille un type de transport, ça a l'importance que l'État doit gagner. Alors, par rapport avec l'importance que le transport maritime n'a gagné aujourd'hui à travers le monde, qu'est-ce qui a empêché à travers le temps que Haïti lui-même était doté d'un transport maritime solide, bien que nous connaissons des efforts de modernisation qui ont été faits, et surtout avec des bateaux comme Fierté Gounavienne, nous connaissons des bateaux qui ont fait naufrage tout, et Neptune, des bons bateaux qui ont fait gérer, mais aujourd'hui, c'est pratiquement pour le chagrin le transport maritime dans le pays. D'abord, un élément fondamental que je voulais dire, et il faut toujours changer, il faut penser au transport en général, c'est que la demande de transport, c'est une demande dérivée. Okay. Autrement dit, le transport n'existe pas en soi. Le transport existe, parce qu'il y a des biens, parce qu'il y a des gens à transporter. Ça me dit, voilà. Jusqu'à ce que de bonnes routes t'aient créé, t'aient planifié entre la Grenade et Port-au-Prince, tout le monde. La grande majorité était allée par la mer. En dépit du fait que c'est régulièrement entendu, on parlait de Neptune, on parlait de toute bande ça, qui a fait des accidents terribles. Parce que pas de lien alternatif. Donc, l'homme n'a pas de choix. Faut le déplacer, il prend sa gagnant et c'est transport maritime. Là. Transport maritime, là, tout, c'est de loin le mode de transport le moins cher qui gagne. En tout cas, transporter en volume. Imaginez une seconde, il y a besoin d'importer gaz, gasoline et autres, diesel à Fort Liberté. Son camion, un tanker pour sortir de Port-au-Prince pour porter le Fort Liberté. Alors qu'on barge, tu es capable d'aller dans le terminal Yunayo et puis transporter lui, du côté de Fort Liberté. Avant, Cap Haïtien, tu as un terminal pétrolier. Il y a de grandes tentes. Jusqu'à présent, si tu vas à Miragouane, enfin, plus précisément à Payan, Reynolds, tu as d'immenses scribes qui sont toujours là. Qui témoignait lorsque Reynolds, c'est qu'on fait venir, m'a sauté directement. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant, mais l'immense tout, ça nous a relé une sorte de aménagement, de réaménagement du territoire, par exemple, en politique portuaire, de gestion du port et de développement tout de secteur. Alors, bien dit, lui, il demande donc politique. Dès qu'on parle de politique, on parle aussi des moyens. Justement. C'est-à-dire, à côté de. Et dans le secteur, ça a gagné du bas, pour nous dire, bon sens. Sans vouloir faire un étalage, il faut nous dire que dans le cadre de transport maritime, il y a ça qui servit à ingrédients transportés et ça qui servit à accommoder bateaux. Pour être tout précis, il y a APN, qui est l'autorité portuaire nationale, qui a géré l'installation portuaire. Il y a tout le SEMANA, qui est le service maritime de l'aviation, qui lui-même t'a censé avoir une obligation pour préparer
ce qu'on appelle les gens de mer, tout le monde qui travaille dans ma main, ressources humaines, toutes ressources humaines pour travailler dans le bateau. L'État haïtien, on regarde de côté, c'est mon analogie en dessous de l'mar, l'État haïtien, pas bail secteur maritime là, important sur lui. Mais ça, c'est dans le temps, longtemps. Dans le temps, nous avons 13 ports ouverts au commerce extérieur. Akin, Fort Liberté, Panamène, Mont Saint-Nicolas, Panamène, Fort Liberté, Saint-Marie. Mais de nos jours, au grand paquet, qui fait essentiellement du cabotage international. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important dans notre transport maritime, et par rapport avec les documentations que nous-mêmes nous avons essayé de vous écouter sur eux, c'est la question de quantité. Par exemple, on a pris un fret pour transporter des marchandises à grande échelle, c'est sûr tout ça. Et pour permettre que Haïti entre dans le commerce international, là, tout bon vrai, il faut que tu aies vraiment bon développement de ce secteur ça en Haïti. Ah, mais c'est évident, nous sommes une. Enfin, il y a dit de Haïti dans le secteur spécialisé que nous sommes une presqu'île. Bon, parce que nous avons bon parc qui sont frontières terrestres. C'est-à-dire que par définition même, nous sommes supposés gagner un secteur de transport maritime qui est très, qui est très vivant, qui est très dynamique. Là, en Jamaïque, il y a une école pour former des pilotes maritimes. Et le Haïti, la dernière fois que nous avons fait former des pilotes, c'est Jamaïque que nous devons faire. Trinidad. Toutes ces îles dans les Caraïbes, comme ça, je ne parle pas de Cuba, qui lui-même, par exemple, à un moment donné, tu voyais faire des cadeaux des bateaux de pêche. Parce que mon bagage, nous ne pouvons pas parler de tout. Il n'a pas parlé de transport maritime. La pêche. N'est-ce pas? Pêcheur. J'ai eu la guerre là. Bon, bah, c'est extrêmement important, et nous avons parlé de ça dans les transports à grande échelle, que ce soit de personnes, mais également de marchandises. Ça m'a dit, imaginez, une grosse logistique et pour aménager pour ça, pour permettre justement que vous prêt à commerce international, n'a pas là. Bon, ça m'a dit une grosse logistique, mais tout pas m'a dit même logistique. Par exemple, le port de Port-au-Prince, c'est un port international qui a recevoir des conteneurs, qui a recevoir de la marchandise en vrac. L'IPA m'a même super structure, c'est-à-dire des structures qui accommodent pour ça du bateau, que on prend pour Lully, qui a recevoir de trois petits bateaux de pêche, que c'est Marc qui de temps en temps recevra un bateau sur le Miaguane. Et si bateau le recevoir tout, vous montez à nous notre bateau wall on wall off, qui juste ils vont remplir les cargues remplies et puis marcher de sortie. Vous donc ça dépend d'où l'État tout a gagné pour faire des choix. Pour qu'on ait maintenant combien de ports que moins de gagner. Est-ce que nous avons un port Miraguane en Port-Tiguave qui a moins que 100 km de l'autre? Est-ce que nous avons un port c'est Marc et Youn Gonaïf. Ça, c'est pas moi qui décide, ça, c'est l'État. L'État. Mais il y a un monde qui a regardé là, il va le dire tout de suite, parce que sur le plan international, justement, et transport maritime n'a plus utilisé pour s'adresser transporter matières premières. Haïti, pratiquement, son pays de consommation, c'est un pays de production qui vient de rentabiliser les dépenses qu'on a fait dans le secteur. Il n'est pas uniquement matières premières. Par exemple, il y a des zones de ce pays qui produisent en pile tel ou tel bien. Par exemple, bien surtout, je parle de produits agricoles. On parle en général et 20 mois, octobre, novembre, on gagne, c'est par exemple Chadec. Ma part de zone que je connais dans la zone sud-est, sous Bédé, soit dans ça, c'est Chadec à gaspiller. Le passé, quand un paysan, ou prend 10 grains de Chadec, ou bon ou bon bout de Chadec, le paysan, c'est content, parce que sinon, c'est pour le bal gâté dans la main. Mais, je sais pas, qui ça a empêché les investisseurs mettaient au moyen pour transporter ça, par, non pas par camion, côté vous avez bourré au derrière un camion, mais par un barge qui accommodait
Mm-hmm. Comprendre qui éventuellement qui frigorifique pour qu'il y ait une température donnée. Parce qu'on peut pêcher dans l'autre pays. Là, dans le pays, c'est une génération de zone pour 6 mois. Toute pêche, il fait. Il peut conserver. Il peut conserver. Comment ça empêche que les poids qu'on gomme, au conseil de côté bien précis dans la grande ville, même si on a gagné des négociants de, en denrées qui ont acheté bien, mais qui connaissent à intervalles réguliers, il y a des gens qui viennent chercher par la mer, par les âmes d'Olan. Le transport maritime, c'est le mode de transport le moins cher et qui permet des plus grands volumes. Même j'en tout n'importe quoi, on transporte tout par la mer. Nous songeons une expérience qui était vive dans la ville Jérémy par exemple, et sans pas faire publicité pour personne, c'était mon bateau qui était les Trois Rivières. Les bateaux ça justement a chargé dans Port Jérémy, c'est pratiquement toute ville là qui était mobilisée. On a l'impression c'est pratiquement carnaval à Jérémy chaque fois que bateau ça, on voit les mercredis l'a chargé et dans zone ça. Donc ça demandait tout en pile ressources humaines et quelque part réaménagement pour ça, et c'est une source d'emploi lié pour nous. Bien sûr, un port hein. Il n'est pas desservi uniquement ville côté lié. Il est desservi ce qu'on appelle en termes techniques tout interland. C'est-à-dire, Jérémy, pour un ville Jérémy. Mais ça qui t'a transporté dans le bateau, ça, parce que Jérémy, il y a qui sont toutes dans les Iwas, il y a qui sont en Zeno, il y a qui sont juste Beaumont, il y a qui sont Roseau. Romane, tout et tout, donc sur les zones que pour asservir, c'est ça le transit. C'est ça que oui, l'interland, c'est son zone d'expérience, son zone, comme d'accord, son zone d'influence, si vous avez pris un terme ça, côté que toute zone, toute port ça, toute zone ça, c'est vivant là. Et la plupart des ports que nous avons en Haïti, je parle des ports régionaux, hein, que Jacmel, les autres, Cocal, ils viennent faire du fil. À partir de l'expérience de Duvalier, qui devait fermer tout, qui était uniquement pour au prince ouvert avec Cap-Haïtien et Miangouane, parce que à cause de barrage de Camoquet. Donc, un meilleur contrôle du territoire. Une meilleure gestion sécuritaire de ce pays. Le Duvalier, tout le monde a venu oublier de passer par rapport au prince. Au Cap, parce que le Cap était toujours en dans le Cap Haïtien, capitale touristique de ce pays. Roman, qui sont bien pour accommoder tout ça. Très amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, ou à suivre émission pour la Haïti 360. N'a pas parlé de transport avec un focus sur le transport maritime. Nous qui genre une alternative, mais justement à transport terrestre là, qui journée aujourd'hui, nous pratiquement capable de dire que à travers grande poule pays a pratiquement saturé et développement et transport terrestre là, et parallèlement avec transport maritime. Nous pensons que quelque part au lieu de voir de manière parallèle, mais nous avons supposé ouais interrelation, Julio qui gagnait entre deux types de transport ça. N'a continué avec Brasse Lidia pour guider ou en dans les bacs à fête à soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un mot Lionel Edouard. N'a pour premier pause en dans l'émission, n'a tourné tout de suite pour nous continuer à parler parole éclairée. Haïti 360, qui j'en nous ka moderniser pour nous, transport dans le pays pour permettre que justement yon ka représente ça n'arrive pas, mais yon moteur pour l'économie. N'a parlé avec un focus de transport sous question et transport maritime. Non que nous pensons qu'ils sont alternatives viables eh ben à développement secteur transport là en pays là, parce que pratiquement nous mettons du transport monde avec marchandises sous territoire presque pas dans quelle autre façon pour faire ça en Haïti journée aujourd'hui là, si c'est pas par camion, par voiture, par pick-up et la trier et par motocyclette tout par journée aujourd'hui à motocyclette Julien joue un rôle fondamental. Jean d'a dit lui avant pause là qui gens de manière capable de dire parallèle pendant que nous avons développé le transport maritime, nous sommes capables de moderniser le transport terrestre pour nous permettre, parce que nous avons l'on bateau arrivé dans le port, il faut gagner des camions qui viennent, qui vont décharger les marchandises, mais et consommateurs, mais les gens qui vont venir pour distribuer la journée. Écoutez, bon principe de base en économie qui dit que l'industrie attire l'industrie. Très bien.
Par exemple, il y a eu ces dernières années, il y a eu un investissement privé du côté de la phyto. Automatiquement, à la phyto, bateau commence à aller, marchandises commencent à venir. Donc, il y a une demande qui vient créer pour transporter tout le monde qui vient de la phyto pour besoin personnel. Tu commences à faire trafic là, ainsi de suite. Donc, même j'entends, automatiquement que yon port existe à fonctionner, il vient faire appel à l'autre système, l'autre mode de transport qui est lié à lui-même. Il y a ce qu'on appelle le transport multimodal. C'est-à-dire, par exemple, quand on est à Lionel, on doit arrêter ou est sur Internet. On peut aller à la vente en Chine, ou à la Caillou, à Pétionville, et puis on est commandé ou payé, et puis si on ne fait pas de côté, on peut aller à la Caillou, à Pétionville. Pour le coup, on a des qui existait. Ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on appelle là. Tout le monde dit, bien fait. À l'intérieur de la Chine, bon, le transport, le cas maritime, dans ce cas, si c'est bon, on fleuve, le cas fluvial, le cas terrestre, le sorti de lieu de production, là, il y a un grand port, le cas Shanghai, Hong Kong et autres, de là étant, il prend, dépendant de coulis, de prix, il passe par le transport. Aérien, revoir transport aérien livré Miami en général, mais Miami étant son bateau qui veut pas au prince. Autrement dit que transport multimodal là, c'est un transport côté que yo tout ensemble de modes de transport, yo utiliser l'autre pour un ou même destinataire final là satisfait. Son pas connaît côté chita qui en bas la fait pour lui rejoindre. Alors, pendant que nous parlons là, je pense que nous vivons dans le plus concret. Parce que nous, quand nous regardons nous tout, il a dit, bon, ça n'a pas dit là, il m'a dit tout pour une mise en œuvre. Par exemple, il y a une autre forme d'organisation, justement, de pour yo, qui côté n'a pas de ressources humaines, ça, c'est pour un bagage qu'on a fait à court terme, peut-être même pas à moyen terme, Julio. Qui j'aime qu'on a fait ça pour nous réorganiser le secteur? En fait, on nous parle en général de transport en général. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, malheureusement, l'État haïtien, je le dis au effort, pour que j'aime comprendre l'importance du secteur transport. La plupart, si tu vas au ministère des TPDC, il y a une direction de transport qui s'est fait à donner. C'est essentiellement que les calculs pour pont, barrer comme ça, pour œuvre d'art. Mais transport, qu'est-ce étudier? Est-ce que le système transport inter-urbain nous gagne? Avec un petit camionnette. Bon, je ne parle pas de nous là, mais nous continuons à relayer. Est-ce que c'est ça qui est plus bon? Est-ce que sous cette là où vous voulez aller au Ghana, c'est à monter des petits camionnettes ou quoi aller à ça? Bon, on est capable de la gadou et de retirer un charge sur l'État en ce sens que nous vivons justement de ça. Mais justement, l'État, pas oublier que le transport, il y a des domaines qui s'appellent les domaines régaliens de l'État. Mm-hmm. Transport, c'est un adam. Ok, ok. Malheureusement, l'État pas nous, on a décidé, bon, ça n'a pas intéressé lui. Et ouais, n'importe quel. Je suis habitué à voyager. Machine qui est plus régulée, secteur plus régulé dans le transport, c'est taxi, c'est Mounsayo. En Europe, c'est gros Mercedes qui a fait taxi. Ici, c'est une machine vincée Mounsayo. Machine crasée. Une machine pratiquement crasée qui a fait taxi. Vous comprenez? Vous savez, les gros vieux bus jeunes, c'est des bus qui ont fait pour transport scolaire. A dit bus, compagnie Ford, General Motors et autres, fait pour le porter des petits mouns. Il n'y a pas pour le porter bout de sac. Et nous venons, ils ont chargé. Ici, nous réfléchissons en termes de volume. Il n'y a pas qu'on est qui charge pour 30. Combien de tonnes de marchandises? Là, on voit que carrément, on voulait que nous ayons la sécurité routière pour ici. Exactement. Et tout justement, ça. Une direction dans la police nationale qui doit supposer charger de ça. Écoute. Prends machine nous, n'importe là. Saut Port-au-Prince, Dieu va aller qu'on arrive. Qui s'est campé, fait 150 000 à l'heure.
autre que si vous avez respect pour vie, pas et respect vie, monde qu'on pas croiser. La direction de la sécurité du DCPR, comment les l'a. Mais il y a une belle taxe de camionnette, de réglementer tant bien que mal. Bon, on va dire que la vie va dans la ville. Dans la ville, mais sur les villes. Le côté Bouldaï, exactement, c'est surtout sur les grandes villes. C'est pour ça que n'importe quel accident de rien du tout ici, où vous avez 20 personnes mourir, 40 personnes mourir, 50 personnes mourir, et puis la vie continue. D'accord? L'État a supposé 6 temps pour l'université. Même bien, le président a convoqué des états généraux sectoriels. Moi-même, je parle dans. Alors, m'a essayé d'aller dans le secteur transport pour moi. Très bien. Pour me connaître, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre le secteur transport? Regarde, où on va les gens chaque matin, cap pédont, on t'en fout sur le carrefour. Chaque jour, un carrefour, enfin, le grand carrefour, le grand Port-au-Prince, nous gagnons 300 000 monde. Tu as pris une camionnette pour te descendre. Mais tu t'imagines si tu as un ensemble de taxis sous de l'eau, bon, tu as une initiative comme ça, et le gouvernement passe au tout. C'est sous moi, bon, je suis capable de le fier. C'est moi-même qui t'ai autorisé de faire. Mais il n'y a pas de chose. On va dire aussi que tu as gagné un petit taxi sous de l'eau, ou un taxi qui prend la matin, qui mène au centre-ville en 25 minutes. D'accord. Récemment, je parlé avec un monde qui est très avisé dans le secteur transport. Là. Je vais expliquer que les problématiques de transport en Haïti, pratiquement, ouais, tout problème pays à la donne. Le fait que le pays est très centralisé, où est ça? Le problème misère qui est obligé de monter dans une série de taxes qui n'est pas approprié vraiment pour le transport, parce que justement, c'est le lien, il n'y a pas d'alternative. Le fait qu'on est obligé de quitter Pétionville, par exemple, pour aller à l'école en bas de la ville, ou qu'on est obligé de graisser pour venir à l'école de Prince. Donc, pratiquement tout problème social pays est visible en dans miroir, ça que nous voulons les transports là. Mais c'est ce que je disais tantôt. La demande de transport est une demande dérivée. Ça veut dire qu'on a un pile de capre machine sur Pétionville, parce que pour ça, parce que service aux besoins, il n'y a pas qu'à venir dans Pétionville. Tu as combien de barons, 5 000, 10 000 timon chaque matin qui prend machine sur Pétionville pour descendre au prince. Mais essayez d'imaginer une seconde si l'État a construit 4-5 gros lycées qui prend 4-5 000 élèves. Mais là, on y a un monde qui dit que développement ou bien résoudre le problème de transport terrestre, là, il n'est pas forcément une créer alternative à travers le transport maritime. Non, c'est tout un problème de système. Là, non, je parle du système. Non, pas parler de transport maritime. Je parle de transport entre Pétionville et Port-au-Prince. Très bien, très bien. Il n'y a pas parlé de transport maritime. Même j'en trouve entre Carrefour et Port-au-Prince. Tout le monde sur le cap prend bloqué sur le Carrefour, chef là. Ce n'est pas rien, mais on bloque ça. C'est parce que tout facteur, pas mon parc industriel sérieux dans le Carrefour, pas mon bon, il y a deux trois lycées qui pas même cap, on a même 5000 personnes en met tout ensemble. Pas mon gros hôpital sérieux Carrefour. De deux personnes qui ont fait mal, c'est pas de prendre sur le sang pour venir faire des soins. Donc, essayez de bloquer les gens, de tout service dans la ville de Réa. Et quand on a dit que l'on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, le monde n'a pris un camionnette là, on prend un taxi, on prend un taxi, camionnette Jean-Lia. Ce n'est pas mal li mal non. C'est juste parce que pas une alternative. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que vous venez avec bus climatisé café pour provinciaux. Nous ne pouvons jamais laisser Haïti s'en taper à payer. Tout le monde est parti du principe que le bus a approché. Mais actuellement, au Cajon, il y a aussi bien simple que je l'ai maintenant, au point bus comme ça, ou aller au Cap, ou à l'Ocaï, ou à n'importe quoi, dans n'importe grande ville. Juste avant que nous observions la deuxième pause en émission, ça, Julio, on t'a parlé tout à l'heure de risques qui gagnent par rapport avec les conditions que le transport terrestre a fait. Mais par rapport avec l'expérience passée, tout le monde a dit que même type de risque que vous parlez là, et d'ailleurs, si nous sommes capables de réguler le transport terrestre là, qui garantit que vous gagnez le transport maritime, nous allons arriver à réguler dans le pays là. Alors, transport terrestre a fini de gâter. Mais rien n'est possible à celui. Where there's a will, there's a way, que Blanc. Si nous le faisons, nous le faisons. On prend en mesure, il y a des heures, il y a des pleurs, des respondants.
mais c'est l'État qui a géré un pays. Si l'État dit, bon, moi-même, à partir du 1er janvier 2020, je vais avoir des camionnettes sur route encore. Mm-hmm. Et puis, même moment, l'État baille, ça veut dire, incentive, baille, accompagnement. Une alternative, tout. Offrir, dit que dorénavant, je vais être bus. D'au moins 25-30 places qui fait trafic. Donc, il y a des facilités. Bus à eux, bus à eux. Un bon exemple précis. À Santo Domingo, on a là souvent pour d'autres raisons. Au moment que s'approchait l'année 1992, qui était rappelé les 500 ans de la découverte de l'Amérique, le gouvernement de Balaguer décidait que toutes les taxis, bagages, pas les soignés, on ne l'a pas vu encore. Il y a aussi un contrat avec, je crois, Hyundai. Au lieu de ce qu'on appelle l'offre que Hyundai a gagné, il y a une franchise, tout le monde qui a un taxi, on doit acheter un nouveau taxi moderne, tout neuf, tax-free, tout bagage, parce qu'il voulait changer et pour ça. Mais le gouvernement, on fait ce qu'on a dit, c'est payé, ça dépend. On prend des mesures pour arriver à ça qu'on voulait. Très bien. Tu comprends? Les mesures sont là. On ne va pas le réinventer la route. Il suffit de voir comment ça s'est passé ailleurs. Tu comprends? C'est pas aucun côté de débat ça ou non? Très bien. Julien, c'est interview que nous avons fait ensemble avec nous en émission pour la Haïti 360. On a parlé de transport avec un focus jeune de Jolie sur le transport maritime qui est capable d'une alternative justement pour permettre non seulement une meilleure gestion qui fait de transport terrestre, une meilleure gestion qui fait de circulation de monde et de marchandises sous territoire et même pour transiter tout vers l'extérieur. Et bien, Julien, il a été pour te grincer le palan dans le débat, là, permettre que nous soyons clairs et de nous comprendre ce qui se fait à travers le monde et qui ça Haïti a fait pour entrer justement dans le concert ça pour permettre que gagner un système de transport mais qui répond à exigence et période moderne ou période ça que nous vivons là-dedans et bien, parce que Haïti est un pays qui est différent de l'autre pays yo, c'est seulement gestion que nous faisons de l'espace nous décision que nous prenons qui va permettre que nous arrivions côté nous arriver. N'a prend une autre pause en émission pour la Haïti 360, n'a tourné tout de suite pour nous continuer parler parole éclairée. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre d'un moment sur Télévision l'État, Télévision nationale d'Haïti. Et pour mener en discussion, c'est un mot Lionel Edouard qui a parlé avant de question transport là, qui j'ai le cap modernisé pour venir tourner ça dans un moteur pour l'économie. Hein. Et nous faisons focus tout en émission ça sur question transport maritime. Non? Le fait que Haïti son îles, bien que partie par nous en partage les îles avec la République dominicaine, mais la mer. Et nous avons pile tout, ça n'a pas les fleuves dans le pays. Nous avons regardé qui gens, mais développement transport maritime qui peut être capable de faire tout pour le pays, capable d'aider justement pour booster l'économie et permettre que le transport terrestre lui-même capable de moderniser et permettre que les gens avec marchandises circulent sur le territoire national dans les plus bonnes conditions. Julien, il y a une chose qui est extrêmement importante dans la question de transport, c'est la fiabilité. Journée aujourd'hui, par rapport avec l'expérience passée, nous avons dit ça tout à l'heure en émission, qui jeune nous a rebâillé la population, parce que si la population n'a pas marché la donne, pratiquement il a échoué. Qui jeune nous a rebâillé la population confiance en dans ce secteur ça, si nous avons dit développer, qui c'est le transport maritime comme alternative, ou bien comme un secteur parallèle qui offre une autre opportunité avec nous, et bien en un pays. Bon, on nous quand même clair sur ça. Et en parlant, nous te dire que la grandance qui était vraiment côté que on dit enclavé. Voilà, bon, on va te dire comme ça, qui était enclavé, tout l'autre département géographique, tu as gagné des routes, même est-ce que pas bon, il va s'arrêter, mais quand même, il existait. Mais maintenant, heureusement pour le pays. Les gouvernements qui sont qui une suivent l'autre, ils font effort pour la grandeur. Donc on a utilisé essentiellement transport terrestre pour aller dans la grandeur. Mais nous dit tout, ça c'est leur parler de transport de passagers. Mais
on ne transporte pas que des passagers. Très bien. On transporte aussi de la marchandise. On transporte aussi des biens. De, par exemple, de Gaza. Tu sais que moi, j'étais en consultation à un groupe privé haïtien qui t'a étudié les moyens pour être capable, à partir de yon barge. Mm-hmm. Le barge là, c'est son bateau, si vous voulez. Qui, c'est comme si c'est un gros conteneur. Mais il est capable de prendre, si vous voulez, l'équivalent de 10, 20, 30, 40 de conteneur. Ça n'a pas empêché un gros barge comme ça. Le barge a plein de gaz, il est passé. Le barge a été au large. Avec un minimum d'installation, qu'on a gagné des tuyaux qui flottent, qui capables. Et puis, gaz est arrivé, c'est à Cayenne, dans la plupart des grandes villes, donc depuis déjà, la plupart des grandes villes haïtiennes, c'est sur la côte que y'a. Donc, pour ça, ça son gros alternative lié à camion gaz qui prend 2-3 jours pour lui, ils vont côté, des bagages comme ça. Mm-hmm. Pour ça, c'est. Mais pour nous regarder, nous avons dit qu'il y a des exigences internationales tout, par rapport avec l'organisation qui occupe des questions au niveau international. Bon ensemble de réponses que nous devons porter pour garantir et justement que nous répondons à normes internationales qui établissent en dans les questions dans le secteur maritime. Non? Alors, ça, c'est le job Semana. Mm-hmm. Semana, service maritime de navigation, est supposé procéder de alors, à ensemble. D'inspection mm-hmm. pour assurer que le navire cap fait transport. Mm-hmm. Le même navire international, donc pas bien parler pour navire national. Le navire, l'on navire arrivé, par exemple, à Port-au-Prince, gagné Semana, gagné un ensemble de monde qui ont monté à bord mm-hmm. pour assurer que le. Mais qu'il a, est-ce que le pays a disposé de compétences techniques ça, yo, en quantité, justement, pour justement faire exploser le secteur maritime, transport maritime? Nous, pas gagné toutes, mais. Tous, nous sommes c'est des gens qui ont formé des inspecteurs pour vérifier que nous avons un deuxièmement, tout, ou pas rien, pas oublié. Le monde est devenu un vrai village. Ah, mais chef là, on va tout arriver là, on déclare ah, non, chef là, on ne peut pas continuer, je ne suis pas inspecté. Mm-hmm. Mais en 3 heures de temps, un inspecteur saute mal arrivé, un inspecteur saute qui va arriver. Est-ce que vous comprenez la question? Parce que les gens qui ont arrivé à Port-au-Prince ou bloqué parce qu'ils ne font pas inspection, automatiquement, ça a entré, ça va être dit dans le monde entier que quand tel des navires arrive à Port-au-Prince, Port-au-Prince bloqué. Son problème lié pour lui. Son problème lié pour lui maritimement. Et bateau a construit pour la voyager tout le temps de un point à l'autre, pas pour camper en temps d'inspection. Donc il y a beaucoup d'argent à perdre. Donc tout ça, c'est l'important, Lionel Edouard. C'est volonté à Kougain. Heureusement, nous, membres de la communauté internationale, là, nous, membres d'un ensemble d'entités, nous, membres par exemple notamment de la Caribbean Shipping Association. Alors, je vais en parler là, tout le monde voit que son compétence dans le domaine. Non. Mais depuis quel temps, par rapport avec le secteur, ça a fonctionné, nous n'avons pas l'impression, j'aime un plan de réforme et même de relance de secteur A, ou bien ça n'a les jeunes d'Abdia, en politique de réaménagement et de nos ports. Ça empêche nous-mêmes comme professionnels dans le domaine, nous avons introduit des bassins et puis bonheur. Ce sont très 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 belles questions et ça fait longtemps nous-mêmes qui avons une chance qu'il faut bien des matières et nous pas en pile. Nous reconnaissons, nous avons parlé là. Monsieur qui a besoin de moi. Et nous avons un projet pour nous former une association, une association maritime, qui est capable de divulguer, propager l'information. Le monde va connaître. Journée de la mer, etc. Notamment, nous avons un ami qui fait gagner un prix international, Baron Soutéjean, monsieur, monsieur. C'est un. Bon, pratiquement, son océanographe qui a besoin de nous pour protéger. Et Mangrove Nio, ouais, son jeune garçon. Mais pour ça ne pas faire, dans pile qui a pas travaillé, qui est dans le milieu, on comprend. Nous avons mis temps, mais son idée à concevoir, moi c'est Marie Kamel et autres.
autant dire. Donc, il faut retourner sur le projet original. Alors, Haïti a besoin de toute compétence liée, que ce soit dans le domaine que l'IA, mais pour être capable d'avancer, parce que l'effort de relance de ce pays n'est pas qu'à reposer seulement sur l'État. Les quatre compétents ont tout le grand rôle pour jouer, pour permettre que, je vous dis, j'en ai toujours dit dans l'émission, ça, parole éclairée, arriver plus loin. Et d'ailleurs, des professionnels comme Julio Julien, Kakou, l'autre élément qui formait en dans le domaine transport maritime, non, parce que y a un rôle pour jouer tout, permettre que l'idée de modernisation de secteur a même été capable de venir en réalité au lieu de l'irriter, ça nous a réalisé des débats de couloir, des débats de boudoir. Ah, et Julio Julien, et dernière question, vraiment dernière question dans l'émission, parce que nous arrivons dans la dernière bout là. Dis-nous, nous avons parlé tout à l'heure du rapport qualité-prix. Le fait que transport maritime, non, et justement, en termes de quantité, tous les marchandises sont capables de transiter, ils permettent justement que nous sommes capables de voir comme une alternative. Mais je vous dis, est-ce que nous pouvons imaginer, nous, dans 2, dans 3 ans, dans 5 ans, secteur ça, dans le niveau que nous avons pour nous mettre, pour qu'il y une alternative à transporter, reste là pour nous décongestionner grande ville, nous, sont un projet qui non seulement viable, mais qui, à partir du moment où on a parlé là, on a introduit le débat, ou bien l'autre monde a introduit le débat pour permettre que les paroles arrivent. Ok. Uniquement pour faire face au problème de transport qui existait à Port-au-Prince. Ça va d'abord. Je vais retourner avec un exemple. Carrefour, 500 000 personnes qui sont obligées chaque matin, par exemple, descendent sur Carrefour, avec Port-au-Prince. Mais bon besoin là, bon besoin de transport. Le transport, la demande de transport, c'est une demande dérivée. Il y a des gens qui ont besoin pour transporter. Mm-hmm. Alors, nous avons de l'eau là. En bonne rivière, transport de marchandises à grande échelle, même transport pays, de personnes. Tout ça nous a fait rapide. Bon, bah, écoute, bon, pensez rapide. Rapide là, en général. 2-3 ans. En général, rapide, pas aller nécessairement avec qualité. Rapidité, qualité. Mais nous, qu'a fait des bagailles. Mm-hmm. Bon, transport, mettez un système de transport de cabotage de monde, hein, jusqu'à Léogane. Il fait Port-au-Prince. Sauter juste Saint-Marc. Il fait Port-au-Prince. Là, c'est là. Regardez qui j'ai mon transporté entre la Gonave, qui n'a pas bien alternative, et la côte. Encore une fois, c'est moi-même dans une vie antérieure qui mettez l'ancienne plage du président Duvalier à disposition du pays pour nous faire tourner un terminal pour être capable de transporter mon yover. Dans mon lait, c'est la grande souris, pas vrai? Et ça me donne des bons. Sous mon bateau, on mercredi saint, en semaine sainte, qui prend Jérémie, où est mon coquet maintenant, ma diapoa? Tête chèche. En plusieurs fois dans la prière, nous avons fait bateau sous Avrémien, fait au vin descendre dans le commerce pour nous débarquer parce que nous avons 1000 personnes dans le bateau qui fait probablement pour transporter 300 personnes. Donc, son problème réel, nous avons risqué, nous avons accepté de risquer vie parce que faut y aller. Il faut nous déplacer. Déplacer pour aller dans le pays. Très bien. Haïti 360, à Soya nous avons parlé dans l'émission pour là de questions de transport là qui j'aime nous moderniser pour nous permettre que les cas tournés ça nous a réalisé au moteur pour l'économie pays. Nous avons fait un focus sur question transport maritime là, qui est capable d'une alternative viable à déplacement de circulation de circulation de marchandises sur le territoire et même un point de transit côté Haïti a un point de transit pour ça nous a réalisé les grands commerces internationaux à travers les grands navires qui viennent ici là avec un pile conteneur et Julio Julien et bien, qui est capable de permettre justement que gagner plus d'emplois qui créer et permettre tout quel monde qui peut être dans le secteur transport routier ou même capable de reconvertir. Parole éclairée par Jean-Michel Swann parler sur la télévision nationale d'Haïti, surtout dans l'espace pour la Haïti 360. Nous espérons que l'émission a été plaire à Soya. Rendez-vous cassé déjà pour une prochaine édition. Côté n'a toujours gagné pour nous porter lumière pour sous point qui paraît sombre. Julio, merci en pile pour votre participation. Merci Lionel Edouard pour l'invitation. Hein, nous toujours à disposition pour nous capables de continuer le débat. On est difficile pour. Dans tout aspect de problématique là dans cette émission. Très bien. Bye bye tout le monde. Prochaine édition, c'est sur le télévision nationale d'Haïti, mercredi dans la même heure.